Alors, j'ai dû recommencer la vidéo parce que j'avais un message qui prenait toute la place du tirage. Bonjour, chers amis Verseau. Bienvenue pour votre tirage du 15 au 31 décembre 2021. Il y a juste deux, trois cartes qui sont déjà posées, mais je vais vous l'expliquer. J'ai effacé un message. Voilà, il prenait toute la place. J'ai pas pu continuer. Je voulais l'effacer. Ça a arrêté la vidéo au départ. Mais on va garder ces énergies parce qu'elles sont magnifiques. Donc, je vous ai dit, j'ai commencé par une carte ici du petit oracle de la création qui donne souvent le ton vraiment pour tout le tirage de cette période. Et généralement, le reste du tirage suit. Et c'est un très beau message. Pour ça que je ne veux pas recommencer le tirage. D'accord? Ne m'en voulez pas, les Verseaux. L'élixir d'éternité, l'amour. Éthéré et sublime, je suis ta plus noble inspiration. Lorsque je me densifie au creux de toi, l'éternité est ma mission. Chéris-moi et partage-moi sans modération. Voilà. Donc, amour, amour, amour. Pour cette fin d'année, chers amis Verseau, ascendant Verseau, lunant Verseau. Et puis, donc, c'est votre tirage, je vous ai dit, bonus, cadeau pour la fête, les fêtes de fin d'année, voir ce qui va se passer. Ben, pour vous, vous avez des très belles énergies, en tout cas, qui se profilent. Donc, entouré d'amour, vous allez être amoureux. L'amour revient dans votre vie si ce n'était pas le cas ou si c'était mis de côté pendant un moment. Oui, l'amour, c'est l'amour, quoi. Ça peut parler aussi d'une rencontre que vous allez faire. Et puis, quand je me base sur les tirages derniers par rapport à votre signe, c'était soit celui de la pleine lune que je vous invite à regarder, ou celui du mois de décembre aussi. Regardez-les. Amour décembre ou décembre général. Je disais que vous étiez ou que vous alliez vous remettre ou développer des sentiments que vous aviez peut-être pas encore pour quelqu'un et qui vont s'approfondir. D'accord? En tout cas, vous serez entouré d'amour. S'il n'y a pas une personne, c'est les amis, c'est la famille, c'est le bien-être pour cette période. Et en parlant d'amour, quand j'ai tiré les deux premières cartes de l'oracle, donc celui-ci, je les garde aussi parce qu'elles nous donnaient la même vision que cette première carte de l'élixir de l'éternité de l'amour. J'ai eu cette carte, donc elle convient, elle correspond. L'harmonie. Donc il y a bien de l'amour, il y a bien un sentiment. Moi je sens que vous allez renforcer un sentiment d'amour avec quelqu'un que vous avez auprès de vous, qui était peut-être une amitié où vous n'étiez pas sûr. Et là il y a vraiment, vous rendez compte que c'est la bonne personne. Vous allez vivre de bons moments d'harmonie. Vous allez revivre l'amour. Vous allez peut-être rencontrer, pour ceux qui sont seuls, une personne parfaite, la bonne personne. Hein, n'oubliez pas que j'ai certainement déjà dit ça, je suis presque sûre. Pour ça, je dis toujours, allez regarder les autres vidéos que j'ai faites de la période. Ça, c'est un bonus de décembre. Et comme par hasard, la deuxième carte qui tombe aussi, ben, c'est l'harmonie familiale. Donc, la chance sur le foyer, le bonheur sur le foyer, sur la maison. Avec l'arc-en-ciel, c'est la chance, la joie, le bonheur. Donc, vraiment, là, on nous parle d'amour, d'amour et d'amour. C'est trop beau. Donc c'est pour ça que je me suis dit non, non, je ne recommence pas la vidéo. Alors on continue. En tout cas, bienvenue sur les guidances de Shiva. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la petite cloche en haut à droite. Donc c'est gratuit pour vous, ça coûte rien, mais ça nous aide beaucoup. Et vous avez en fait toutes les vidéos qui sortent. Beaucoup les cherchent. Et ben voilà, vous vous abonnez, vous les recevez. On va regarder ici la suite. Donc les Verseaux, on va demander pour le 15 au 31 décembre, qu'est-ce qu'il y a comme énergie, si on continue dans l'amour, ou qu'est-ce qu'il y a d'autre que l'on va avoir comme message. Les Verseaux du 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre. Tout cas, j'espère que vous allez tous très bien et on va terminer ces tirages. Après, je pense que je vais commencer les tirages du mois de janvier. Alors, ici, oh, il y a de l'amour, il y a de l'amour, oh, il y a de l'amour, d'avoir quand même 4 cartes sur 5 qui nous parlent d'amour. Donc oui, une femme qui porte le cœur, soit vous avez vraiment envie d'amour, vous allez être amoureux. Par contre, il y a une carte qui est moins bonne, les hostilités, mais là, je vais vous dire comment je la ressens. Donc, une
une rencontre possible pour les célibataires ou vraiment vivre un sentiment d'amour, peut-être certains hommes ou certaines femmes, avec, je vous ai dit, une personne qui est déjà autour de vous ou qui va se renforcer. J'ai pas grand-chose à dire de plus là. Les hostilités, pour moi, c'est que vous vous êtes battu, que vous avez fait en sorte d'atteindre cet amour avec cette personne. Vous avez fait en sorte de faire fonctionner cette relation d'amour. Vous êtes battu pour. C'est comme si il y avait des difficultés et là, vous avez défendu peut-être votre couple, votre relation ou cette personne s'il y avait d'autres rivaux. On peut dire ça comme ça. Je vais prendre juste une carte supplémentaire de la triade pour voir au niveau des énergies. Donc, les Verseaux du 15 au 31. Verseaux du 15 au 31 décembre. Alors, il y en a une qui est tombée. Elle nous parle de choix. Bon, on va la garder. On verra, ça peut être pour la suite. Des choix à faire. J'avais parlé aussi de professionnels qui auraient normalement du job qui devrait arriver pour certains Verseaux. Vous avez ici plusieurs voies qui vont s'offrir à vous. Donc, regardez dans quel domaine ça peut vous parler. Parce que là, on voit que vous étiez sur une voie déjà toute prête, toute faite. Et qu'il y aura des possibilités qui vont arriver ces prochaines semaines que vous aurez à prendre. On vous dit, il y a un choix à faire. Pro, amoureux, bien sûr. Un choix de vie. Financier, pour acheter quelque chose, voilà, toutes sortes de choses. À vous de voir, mettez-le à la sauce de votre histoire, à vous. Et vous me direz, si vous voulez, bien sûr, en commentaire, avec grand, grand plaisir, pour commenter ce tirage. On va regarder maintenant au tarot ce qu'il a à nous dire pour vous. Donc, les Verseaux du 15 au 31 décembre, qu'est-ce qu'on a comme message? Verseaux, je vais mettre cette petite bougie là. Verseau du 15 au 31 décembre. Du 15 au 31 décembre 2021. Verseau 15 au 31 décembre 2021. Verseau 15 au 31 décembre. Verseau du 15 au 31 décembre 2021. Si vous désirez une guidance, n'hésitez pas à m'écrire sur le mail qui est sous la vidéo pour un tirage privé. Quel qu'il soit, et vous pouvez aussi demander pour l'offrir comme cadeau pour les fêtes à quelqu'un, offrir un tirage à quelqu'un. Donc vous me le dites par mail et je fais un bon cadeau. Alors, en pour, on vous conseille de faire des choix, entre guillemets, c'est un peu la carte du choix, hein. Mais dans le sens qu'il y a quelque chose qu'il faut couper, quelque chose qu'on supprime, pour garder une autre chose. C'est trancher généralement avec l'épée. Ou ici, on tranche quelque chose qui ne nous va plus, quelque chose qui n'est plus bon, pour garder le bon, justement, qui peut être une relation, qui peut être quelque chose qui n'était pas sain pour vous, un mode de vie, une personne. Oh là là, ce chat. Il ne faut pas sortir maintenant. Chat qui veut sortir qu'à un mois et demi, je peux pas, je suis désolée. Pardon de l'intermède. Donc couper avec quelque chose qu'on n'a plus envie dans notre vie, un comportement, une attitude, une relation parmi une autre, un travail qui ne nous va plus. Vous allez peut-être avoir certains une réponse en justice, mais là j'ai l'impression qu'on vous conseille de trancher. Voilà, on vous conseille de trancher pour trouver un équilibre. Donc, vous voyez aussi dans quel domaine. On va voir ce qu'il y a eu dans les mois passés. Il y a eu une ouverture. Je sens qu'il y a une fin de cycle. Il y a une fin de cycle qui s'est faite il y a quelque temps en arrière. Ou pas si longtemps que ça, en fait. Quelque chose qui s'est terminé, ça peut être en novembre. Où vous avez dû trancher peut-être hein, par rapport à un emploi, par rapport à un comportement, une relation. Je pense que j'avais vu la relation. Parce que c'est pas que c'est fermé, c'est que ça, c'est pour moi le passé proche où il y a quelque chose qui se termine, un cycle qui se termine, il y a une ouverture nouvelle qui se fait,
où on nous dit qu'il faut trancher pour garder un équilibre. Avec le hiérophante, c'est que vous avez eu la foi, hein, vous avez gardé la foi par rapport à une situation, et ça peut bien être ce que je vous ai dit, vous êtes battu pour une relation, vous êtes battu pour un lien, ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez, un frère, une soeur, quelqu'un dans la famille, ou ici, ça peut aussi nous dire que vous allez avoir besoin soit de confesser quelque chose, parfois, hein, le pape, le hiérophante, on se confesse, on parle à une personne supérieure ou une personne qui a des connaissances ou une expérience. Peut-être vous aurez besoin de ça. Et il y a quand même le choix qui ressort à nouveau avec le tarot. Si vous voyez les cartes, ouais, effectivement, on le voit bien. Ben, le choix qui ressort, les amoureux. Alors, soit c'est le côté amoureux, ben, en réponse, on sera amoureux durant cette période, waouh, de fin d'année, les Verseaux. C'est bien ça. Là, c'est peut-être possible que vous allez parler, vous exprimer face à votre double de certaines choses que vous ne lui avez pas confiées. Hein. C'est possible que ça reste dans le côté amour, hein, cette situation. Et puis, ben, faire un choix à nouveau, hein. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il est ici. Je vais la laisser là. Ça, c'est plus aussi les amoureux. On garde cette carte amoureux. C'est son premier message. On va regarder avec les oracles qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. On va voir plus dans la matière. Les signes, alors, signes des Verseaux du 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre pour les Verseaux. Verseaux 31 décembre. Un petit chat. Je suis désolée, il voulait sortir avec les autres grands. Je ne peux pas. Un mois et demi, c'est trop petit. Tout seul. 15 au 31 décembre. Mais c'est un chat que j'ai trouvé en plus. Verseau. Verseau, 15 au 31 décembre. Qu'est-ce qui se passe pour les Verseaux du 15 au 31 décembre? 15 au 31 décembre. Le signe Verseau, 15 au 31 décembre. Verseau, 15 au 31 décembre. Alors, il n'y a rien qui veut sauter cette fois. On va voir la coupe. Oh, est-ce qu'il y aurait des grossesses? Non, on voit qu'il y a eu peut-être des conflits dans le passé, hein, où vous vous entendiez pas avec quelqu'un, où vous n'étiez pas d'accord peut-être d'avoir un enfant. Oui, ça peut créer des conflits dans un couple à nouveau. Mais que là, il y a pour certains, verso, femmes verso, une grossesse qui pourrait se préparer durant cette période. Vous allez apprendre que vous êtes enceinte. Après, peut-être des conflits avec votre partenaire qui ne voulait pas. Ou aussi après des conflits peut-être professionnels ou dans différents domaines, vous n'étiez pas d'accord avec certaines personnes, vous allez voir un projet qui est en train de se préparer en vous, qui va se développer par la suite. Il y a quelque chose qui se prépare ici. On va voir la suite. Alors, si ça reste tout dans l'amour, bah, c'est très beau. Alors, Verseau 15 au 31 décembre. On va voir ce que nous disent les oracles. Il y a bien, vous avez bien une voie à prendre. Hein. Ouais, parce qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a quelque chose qui ne va plus. Il y a du retard. Il vous faut absolument trancher. Je vais vous dire ça parce que ce que vous faites ou ce que vous vivez ou avez vécu amené à l'échec, mène à l'échec, ne fonctionne plus. Hein. Vieillesse et échec, c'est quelque chose qui ne va plus. Rester célibataire, ça ne vous va plus. Rester avec une personne, ça ne vous va plus. Vous allez prendre une voie différente. Vous allez devoir vraiment prendre une voie différente de ce que vous vivez actuellement. Donc, bon, faut voir si ça vous parle. Si ça vous parle moyen, faut peut-être regarder l'ascendant ou le signe lunaire. Mais là, on voit que vous étiez sur une voie, presque, je vous l'ai dit, toute tracée. Et on arrive en cette fin d'année, ça peut aussi être au début 2022, hein, vous allez devoir prendre chacun, ou vous prenez chacun de vos différentes. Avec peut-être une personne qui ne vous convient plus, et vous retrouvez l'amour avec quelqu'un d'autre. On voit que vous avez aussi travailler sur vous, travailler beaucoup sur cette situation. Il vous faut en tout cas le travailler parce que ça dure beaucoup trop longtemps, il y a du retard. Ça aurait dû déjà être fait. Vous auriez dû peut-être agir avant pour régler une situation qui n'est plus bonne. Ouais, c'est vraiment pour vous dire,
ces deux cartes, elles ne sont pas bonnes et que vous allez prendre un chemin différent de l'autre personne ou de quelqu'un d'autre ou simplement votre voie va bifurquer. Essayez de voir dans un domaine, ça peut être bien le travail, hein. Peut-être avoir un nouveau travail complètement différent de précédemment. C'est possible qu'il y a soit un chômage, soit un arrêt, soit un changement. Donc on a aussi ce côté professionnel qui ressort. Regardez avec l'oracle de G pour vous les Verseaux. Ouh, il y en a une qui a sauté. Ben, on peut pas être plus clair, hein. Bon, alors si vous pouvez en commentaire me dire qu'est-ce que c'est ce choix. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une personne qu'on met de côté pour vous mettre avec la personne aimée? Ou est-ce que vous avez un choix à faire professionnel qui pourrait être différent de ce que vous avez fait jusqu'à présent? Verseau du 15 au 31 décembre. En tout cas, ça peut être les deux aussi. Hein. Pour certains, c'est l'amour. Pour certains, c'est le travail. 15 au 31 décembre, les Verseaux. Et puis, la sortie en premier est fort. Donc là, ça parle bien. 15 au 31 décembre. Ça parle d'amour où vous avez des doutes, vous ne savez pas, où vous avez perdu beaucoup de temps parce que vous ne savez pas très bien où aller, comment aller. Quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Il y a l'argent qui rentre. Je l'avais dit. Je l'avais dit, vous avez trouvé un nouveau travail. Regardez le tirage de décembre, de la lune, de la semaine même. J'ai dit, vous avez trouvé quelque chose qui va vous rapporter de l'argent. Verseau, 15 au 31 décembre. Un accord qui va être trouvé. Un arrangement. Quelqu'un va vous donner un projet, un travail, une association. Vous mettre à son compte. Mais on voit que c'est pour le moment pas tout à fait clair, hein. On va faire une coupe. Verseau du 15 au 31 décembre. Ouais, il y a une situation qui est gelée. Une situation qui ne donne plus rien. Vieillesse, échec. Il y a quelque chose qui ne donne absolument plus rien. Qui est mort, qui est gelé. Donc, un travail. Je ne sais pas si c'est une association où vous êtes à votre compte. Mais regardez ce qu'il y a après. Il y a la réussite. Il y a le choix qui va vous apporter l'abondance. L'argent qui rentre. Il y aura un accord qui va être fait. Donc, ces deux prochaines semaines ou déjà actuellement. On va encore prendre une carte. On va prendre deux cartes. L'instabilité. Après une période d'instabilité, alors ça peut être avec une femme aussi. Le choix. Aïe, mon bracelet. Le choix par rapport à, je vous ai dit, une personne que vous aviez dans votre cœur ou que vous, avec qui vous viviez, ça ne va plus, c'était très instable. Que vous allez prendre chacun des deux une voie différente. Où on nous dit aussi que vous avez ici une possibilité de trouver un emploi après une période d'instabilité où vous étiez peut-être pas très bien. Peut-être une femme va vous aider à trouver ce travail. Peut-être qu'il y a un accord ici avec quelqu'un qui va vous donner un travail. Donc, essayez de voir. Mais il y a de l'argent qui rentre. C'est une bonne chose. Sachez que s'il y a eu des difficultés, ça, c'est déjà bien. Un accord pour peut-être un nouveau job après l'instabilité qu'une femme peut vous donner. Qu'on peut vous trouver quelque chose. Mais vous avez encore des doutes. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé, hein. Parce qu'on dit qu'il y a du retard. Il faut vraiment vous mettre au travail. Bon. Ben oui, si c'est le sentimental, ça peut être aussi choisir une femme. La femme que vous allez choisir aura pas mal d'argent. Pourquoi pas. Moi, je sens plus le travail, cette ligne-là. Bon, au niveau psychologique, peut-être un peu plus émotionnel. Les Verseaux. On va demander le 15 et on verra après avec la ligne amoureuse. 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre. Quel message pour les Verseaux? 15 au 31 décembre. Quel message pour les Verseaux? 15 au 31 décembre.
Ou là, ça peut être une femme qui n'était pas très bonne autour de vous, hein, qui crée l'instabilité ou qui ne vous rendait pas bien, où il vous faudra vous séparer. Ça, je l'ai aussi vu. 15 ou 31 décembre pour les Verseaux. Il y a un nouveau commencement. Oui, vous êtes fait des illusions. C'est ce que je ressens. Vous étiez avec quelqu'un qui. Il y a une femme, j'avais vu plusieurs fois, ou un homme, qui vous a fait croire à certaines choses, mais qui n'étaient pas bon pour vous. Vous étiez trop gentil, je vous l'avais dit. Et en fait, vous vous êtes fait des illusions, on vous a fait croire que. Pour ça, je sens qu'il y a une séparation. On le voit, ouais, il y a une séparation. On doit faire un choix, on dirait, en deux femmes. Ou entre deux hommes, pardon, hein, dans la relation. Et pour un nouveau départ. Un nouveau départ. Oui, il y a plusieurs personnes autour de vous, vous voyez. Et à nouveau, on nous dit que ça dure depuis trop longtemps. Vous avez pris racine. vous avez comme laissé faire les choses, pas trop pris les choses en main, alors qu'on nous dit maintenant, il faut que tu prennes les choses en main avec les hostilités, il faut que tu te battes pour ce que tu veux, parce que tu risques de perdre cette situation, cette femme, cet homme, cette relation d'amour, ce travail. Alors, Verseau. Ben voilà, de nouveau. Et ouais, vous avez fait une erreur, hein. Il y a comme une erreur. Waouh. Il y a comme. Comment expliquer ça? Vous avez manqué pour moi un choix que vous auriez dû faire avant. Donc vous avez perdu du temps. On peut dire que c'est une erreur ou pas, hein, c'est comme ça. Là, on dit qu'il y a une erreur de fait. Vous avez peut-être été tenté, parce que cette femme en bleu peut être aussi la tentation, la mauvaise personne, comme on dit. On voit que vous êtes entourée, si vous êtes une femme, de pas mal d'hommes. Vous êtes sollicitée. Il y a eu, je crois, des difficultés pour certains au niveau sentimental ou une coupure. Puis beaucoup de sollicitations. Mais avec le retour, alors c'est le retour de cet amour. Que je vous ai dit que vous aviez dans votre cœur une femme ou un homme bien, ou vous avez des doutes, mais que vous étiez resté avec une mauvaise personne et que là, elle revient dans votre vie et vous lui donnez cette deuxième chance, ou bien on finit un cycle de ces difficultés, de ces erreurs, du fait que vous êtes beaucoup entouré, vous allez recevoir ben, des messages, un message de la communication ou par parole. J'ai l'impression, par rapport à une nouvelle voie qui s'offre à vous, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, et ça va vous apporter le bonheur. Et c'est exactement ce que vous avez besoin. C'est comme si, oui, vous étiez un peu flemmard ou dans l'attente de la suite de votre vie. Et là, tout à coup, par l'information, du dialogue, des messages aussi, ça peut être tout simplement. Une personne qui est amoureuse de vous, vous voyez que ses sentiments se développent, elle est vôtre aussi, donc ça vous apporte le bonheur que vous désiriez au final, ou c'est par rapport à une activité, ou peut-être autre chose encore, si jamais vous me le dites, hein, que je puisse savoir un peu comment ça parle. Et là, la triade nous dit vraiment, vous allez vers un accomplissement fin d'année magnifique, la lumière, l'amour, l'amour et l'amour. Je le redis, c'était vraiment cette première carte. Je vous dis, ces cartes sont magiques. Chaque fois que je les utilise dans les tirages, elles donnent le ton à tout le tirage. Donc là, on va justement prendre les cartes de l'amour. Restez jusqu'à la fin pour votre message angélique, voir le conseil. Et là, on va voir si ça reste dans la même énergie. Les Verseaux du 15 au 31 décembre. Verseau du 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre en amour. Qu'est-ce qui nous sort là? Vous étiez plus bien. Hein? Il y a comme la carte de tout à l'heure, où on est, il y a quelque chose qui est dépassé. Hein? Il ne faut vraiment pas l'oublier, cette carte-là. Moi, c'est le passé. On réfléchit encore. On pense, on a encore des doutes. Le choix va se faire de toute façon, hein.
Parce que vous voyez, c'est comme si une situation mourait, la vieillesse, c'est ça, pour une renaissance, pour un renouveau, pour de nouvelles énergies, pour de nouvelles personnes. Alors, en amour, on a l'orphelin, c'est-à-dire une perte, où on quitte quelqu'un, on réfléchit quand même beaucoup. Le 31 décembre 2021 pour les Verseaux en amour. Alors, je vais couper. On regarde ce que j'ai pour l'amour. Verseau. 15 ou 31 décembre. Donc là, j'utilise le Wisdom Oracle. Vous allez trouver votre trésor. Waouh! Après le difficile, il y a vraiment une amélioration. En fin d'année, là, vraiment, il y a du très, 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 très bon. On nous dit que votre intuition, au final, vous donne la bonne réponse. Même si là, vous partez, vous étiez carrément déprimé. Hein. Il vous manquait un travail, il vous manquait une relation. Vous étiez mal entouré. Ça vous fait réfléchir quand même. Mais là, vous allez trouver ce trésor qui peut être l'amour. L'amour, l'amour. Parce que là, regardez la carte du centre, c'est le coffre avec des cœurs. C'est l'amour. Vous allez être entouré d'amour, vous allez retrouver l'amour. Peut-être que ça faisait longtemps que vous ne l'aviez plus. Hein, magnifique coffre d'amour. Et on nous dit que ça va vous apporter une paix énorme. Ces deux cartes, regardez comme elles sont belles. Vraiment, vous serez enfin en paix, comme rassuré, comme pour vous dire, je ne suis pas si mal, je ne fais pas autant de fautes, je ne suis pas aussi dans l'erreur, autant dans l'erreur qu'on peut le penser. Les choses s'arrangent pour moi et vous avez quand même en vous ici le deep knowing, la connaissance profonde, la chouette, la lune, la bonne intuition. Vous allez confirmer tout ça avec votre intuition. Vous allez vous dire, ben oui, c'est bien ce que je pensais, mais même si vous ne l'avez pas vraiment acté, vous voyez, on regarde un message angélique pour les Verseaux du 15 au 31 décembre et j'aurai fini les tirages. Pour ce vendredi soir, 15 au 31 décembre 2021. J'espère que vous allez apprécier, que ça va vous parler. Et puis merci pour vos messages de retour. 15 au 31 décembre, cette fin d'année, pour les Verseaux. On me dit, tout dépend de toi. Oui, il y a quand même une certain libre arbitre. Est-ce que je reprends une? Verseau du 15 au 31 décembre. 15 au 31 décembre. Je vais voir. Part de compromis, d'arrangement et d'équilibre retrouvé. Ça va, ça parle bien ici. Hein? C'est toi qui prends les choses en main. Tu décides de ton bonheur ou de ton malheur. Mais là, je pense qu'il n'y a même plus le choix. Tu es arrivé au bout. Hein? Tu as fini la boucle. Et puis, tu vas recommencer, je pense, une très, très belle phase. En tout cas, cette fin d'année, au niveau amoureux, rempli d'amour, de bien-être, où il y a aussi une notion de nouveau travail. Merci pour vos retours. Je vous souhaite une très belle fête, de très belles fêtes de fin d'année, mes amis. À bientôt. Au revoir.